ça y est, elle est finite. Ça y est, elle est finie. Bon, on ne voit pas beaucoup, on va la descendre. C'est juste, voilà, regarde. Doré avec le film carbone Amazon 7D, parce que bientôt la 8D et après le 10D. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ce qui est bien sur celui-ci, c'est qu'il y a un léger vernis. Alors là, je sais pas la lumière si ça donne bien. Mais ça fait du plus bel effet et on dirait vraiment du carbone. Voilà, voilà. Donc, on va la redescendre pour que vous voyez un peu comment ça fait assis. Alors, Clio Roller, avec, qu'on a acheté chez Pioza Racine. T'as vu ça? Hey Michel, je te fais un peu de pub, je suis gentil. Donc, Clio acheté sur eBay. Beaucoup m'ont demandé le lien, je vous le mettrai en dessous, the vidéo. Donc, Caro Punch et des Painting, et puis donc avec en doré. Et puis, globalement, voilà. Voilà ce que ça donne. Fini, fini. Et il faut pas que je t'essuie un petit peu sur le truc, là, parce que j'ai l'impression que c'est... Tu me diras si c'est plus net. Attends, regarde. C'est pas mieux comme ça? Ouais, c'est pas mal. Bon, alors, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, deux faces. On a légèrement les pneus qui dépassent. Ça, c'est les voies, on peut pas la changer. À l'arrière, on peut changer les voies, donc j'ai fait pour que ce soit à peu près égal. Voilà. Donc, on a fait sobre, on a fait simple. Parce que dessous, il y a quand même une petite fusée, je pense. Donc, du roller, on a fait une Clio 12S. Tadam ! Avec de l'équipement chinois, mais qui fonctionne. Donc, on va dire que pour l'instant, on est ici sur le budget le plus possible qu'on peut avoir sur une FG brushless. Donc, en 12S, hein, je précise. Donc, dans le combo, nous avons les, maintenant, que j'espère que vous connaissez bien, les moteurs SSS. Ici, on est sur un 56-104, 650 kV, ce qui est un bon compromis. Si un jour Mika veut aller en 8S et en 12S, ça fait une jolie petite bobinette. En 8S, ça fait un petit, bon, ça fait un peu moyen, quoi, mais c'est moyen go. Donc, voilà. 650 kV pour... Voilà, globalement, évitez d'acheter l'option du chariot réglable pour avoir, là on est en 20-44, globalement, quelque chose de sympathique en 12S. Lipo, the power, oui, ouais, the power, ouais, 75C, 5500 ampères-heure, globalement, ça fait le taf. Brice en a aussi des 8000, moi j'en avais aussi sur mon ancienne 535mm, ça fait le taf sur cette configuration avec des S. On tire pas dessus, ça chauffe pas trop, sympathique. Ensuite, on a le gros Flyer 300A 16S. Flyer modèle, bien sûr, donc tout est upgradé, tout est mis à jour, tout est réglé, ainsi que sur ta radio en termes d'exponentiel, etc. Enfin, vous avez, si vous avez regardé les vidéos, vous êtes au courant, mes amis. Ensuite, on a testé, et on va tester, mais bon, il n'y a pas de raison, les cerveaux 24 roues, 60 kg, HV 8,4 volts. Donc, c'est un DS5160 SGG, pour ceux qui veulent la référence exacte. Donc, 23 euros chez Banggood, à plat, et moi, je l'alimente en 7 volts. Le bec ici, bec Obi. Yep, 20 ampères, 7 volts, donc on a largement les 50 kg. Et franchement, on va la brancher tout de suite, on verra tout à l'heure. Ça fait pas trop mal. Ensuite, le petit montage qui va bien, c'est la lipo externe. Donc une 2S 2200 ampères, je crois, de mémoire. Et avec le petit lipo buzzer réglé à 7 volts. Donc, tu vois, tu as juste à mettre la fiche dedans, la mettre dans le bon sens, voilà, donc c'est toujours les parties métalliques vers le haut et tout le plus à gauche possible. Quand ça s'enfile, voilà, là ça fait du bruit. Donc on a bien, tu vois, lipo 2S, 415, et l'alarme à 3,5, donc ça fait x2, ça fait bien 7 volts. Et donc, quand tu seras à 7 volts, ça va biper et il faudra recharger la lipo. Mais bon, avec un cerveau comme ça, t'as de quoi pour venir.
Que dire? Ensuite, au niveau des réglages, et bon, on a tout laissé libre. Ça marche très bien comme ça. Et de toute façon, comme dit, c'est beaucoup de boulot. Enfin, c'est beaucoup de boulot. C'est du boulot. On peut mettre de la 2 millions dedans. Ça augmente la motricité. Mika, tu verras comment tu le sens. C'est très bien aussi comme ça. Derrière, libre également. Au niveau des suspensions, on a mis 7000 derrière, 10000 devant. Et des ressorts tonneaux vert et bleu devant. Ce qui fait que ils sont super bien ces ressorts tonneaux. Le seul truc, c'est qu'effectivement, ça fait un peu vide parce qu'ils sont un peu courts. Mais globalement, l'intérêt, c'est que plus tu presses, plus ça se compresse. Je sais pas si tu as compris. C'est-à-dire que plus tu presses, plus tu as de résistance. Donc, moins tu as de chance de taper le châssis, hein, globalement. Donc là, elle est réglée à un bon centimètre et demi au-dessus de la piste. Et tu vois que ça navigue plutôt pas mal. Donc je te la présente comme ça, toute belle, toute propre, parce que demain on va faire l'essai sur Maniland. En plus du kit que donné par Michel, je t'ai pris le pare-choc mousse devant, parce que ce serait dommage d'abîmer la jolie petite carreau de Clio, quand même. Donc voilà, globalement, en termes de budget, vous avez donc la voiture pour, de mémoire, toute nue de 100 carreaux, je crois, c'est 650 ou 680, un truc comme ça. Ensuite, tu as un moteur à 150 €, un variateur à 200 €, donc ça fait 350, donc nous sommes à 1000 €. Je rajoute 25 € de cerveau, ça fait 1025, je rajoute 10 € de lipo, ça fait 1035, je rajoute, 120 € de lipo. Donc, ça fait... Vas-y, mon chéri. Voilà, ça fait 1235. Tu rajoutes la carrosserie ici. 90 €. Carrosserie que je t'ai également renforcée en deux couches de Gorilla Tape sur tout le pourtour. Donc, on était à 1235 plus 90 €. C'est dur. 1315 €. Qu'est-ce que j'ai oublié? La radio. Pim. On lui a pris une GT5. Voilà. Et une petite GT5. Voilà. Pourquoi j'ai mis à la poubelle les piles? Je sais pas. Donc, tac. La petite face GT5, c'est 60 €. Donc, nous sommes à... à peu près, hein, on va dire à peu près 1400 €. Après, bon, la décoration, tout ça, il y a un peu de déco, il y a un peu de, voilà, un peu de carbone, donc le film il coûte 16 €. Il y a des, Amica, on avait aussi pris le chargeur, enfin bref. Donc si vous voulez vraiment tout débuter, vous n'avez rien, vous en avez pour 1400-1500 €, avec radio, chargeur, lipo. Si vous avez déjà des lipos et tout ça, bah, en gros, vous avez vu à peu près 1200 € tout équipé. Par contre, 100 carreaux. Voilà, ça c'est la carreau. C'est vrai que la 90 €. En fait, on a fait vraiment le moins cher. Parce que 90 € la Clio, c'est quand même le moins cher des carreaux à 5e. Sinon, ça fait mal. Voilà. On peut le dire. Donc, c'est pour ça qu'on a bien renforcé, même si c'est que 90 €. Ouais, c'est que 90 €, mais c'est pas les 190 d'une Porsche. Hein. Donc on a fait vraiment au moins cher. Et cependant, qualitatif. Voilà, ce que je veux dire, c'est que globalement, on n'a pas fait de la merde. Et que ça fonctionnera. Donc voilà, boum. Voilà. Donc, comme dit, hein, c'est pas plus des cerveaux, mais c'est puissant, c'est coupleux. Ça va le faire. Tiens, juste pour t'entendre faire, que vous avez vu un petit peu entendu le bruit de ce que ça fait en 12S. Bonjour, qu'est-ce que tu veux, mon fils? Je me doute de ce que tu veux, toi. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Mais il n'y a pas de quoi. Hop là, zou. Allez. Voilà, donc ça compte tout ça. Merci. Tu l'entends? Ah, c'est juste que la batterie, il n'y a plus trop de batterie. Alors écoute. Voilà. Tout le temps est progressif.
qu'on n'avait pas avant cette mise à jour et le réglage de l'exponentiel et de la courbe des gaz. Donc j'ai hâte de l'essayer demain à Maniland, en même temps que la MCD, comme ça on pourra un peu faire des vitesses de pointe et tout ça et tout ça. Voilà Mika, tu me laisses la tester, voir comment ça donne. Mais là, ça l'a pas trop mal quand même. Ouais, moi je suis plutôt content de moi, tu vois. Enfin la finite. Et j'arriverai pas à la cadrer, tu vois. Enfin la finite, on a mis un peu de temps. Voilà, le problème c'est effectivement, si t'achètes tout en France, un prix un peu plus. Tais-toi, arrête de biper, toi. Tac, allez, hop, on s'arrête. On a mis aussi des anti-spark. Effectivement, on a mis des anti-spark aussi. Voilà, on a mis des anti-spark, comme ça, ça fait pas de spark, ça fait pas l'étincelle, donc tout est bien. Qu'est-ce que je disais? Oui, bah, globalement, ça prend du temps quand tout vient de Chine. Hein, ça, effectivement, si tu commandes tout le matos en stock chez Michel, ça prend 3 jours. Mais quand tu commandes en Chine, ça prend un peu plus longtemps. Voilà, hein, on peut pas non plus tout avoir, le prix, le beurre, genre du beurre et le tu de la... Guépierre. Alors, ensuite, que dire? Non, bah écoute, il n'y a que pour faire l'essai. Et puis, on est parti. Voilà. Donc, j'espère que ça va bien se passer l'essai. Il n'y a pas de raison. On va y aller doucement, bien sûr. On ne va pas rouler avec tous les fous qui vont sur le parking, bien sûr. On va faire doucement pour la carreau également. Et puis, on va tester tout ça. Et puis, si tout se passe bien, si tout fonctionne bien, c'est parti pour chez toi. Allez, merci Mika. Ben, je crois que c'était le dernier projet que j'avais, qui n'était pas pour moi. Donc celui-là, il va partir. Elle est quand même à la maison depuis un petit moment quand même. Hein. Donc, écoutez, ben voilà, ça aussi la petite fun, petite histoire. Après, j'ai le 1/5, faire des 1/5 comme ça, ça me dérange pas. C'est propre, c'est clair, c'est net, ça fonctionne. Il n'y a pas de réglage, c'est neuf. Ficile. Donc si il y en a qui en veulent, que je voulais prépare. Allez, ça, je peux faire tranquille, c'est pas compliqué, il y a le temps que ça arrive, machin. Il n'y a pas de révision, c'est pas buzz, c'est pas cracra, machin. Ça là-dessus, ça me fait de la bricolole. Donc, bon, éventuellement, s'il y en a qui sont intéressés pour que je vous ai les prépare, on peut éventuellement, voilà. Ça me prend pas trop le temps, c'est relativement simple, il n'y a pas trop de problèmes. S'il y a des intéressés, bah, vous pouvez toujours me contacter et essayer, hein, si jamais. Si j'ai le temps, je vous répondrai et je vous dirai pourquoi pas. Voilà, mais avant tout ça, nanana, faisons l'essai, testons et voyons ce que ça donne. Comme ça, il n'y aura pas de problème. On va être bien, même avec les petits pneus D, là, vu la chaleur qu'il va faire. Nous sommes en pleine canicule. Ah, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo de matin dans le garage, parce qu'il fait déjà bien chaud quand même. Donc honnêtement, j'ai hâte de la mettre sur la piste. Ouais, voilà. Donc si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez quelque chose, je vais essayer, pas promis, de vous mettre tous les liens partout, du moteur, du vario, du cerveau notamment, de la carreau, et puis le reste, vous connaissez, vous avez déjà le lien pour aller chez Michel, Pieuza pour le... Si jamais, hein, c'est Pieuziat, voilà, Pieuziat, ouais, j'ai jamais Pieuziat, et puis voilà, donc, ding. Tout passera bien, il n'y a pas de raison. J'ai calé tout bien tes lipos avec un petit peu de mousse, comme ça, il n'y a rien qui se balade. Et puis, le relais, vous avez chez Pesa. Tout le reste, je vous mettrai le lien si j'oublie pas. C'est pas gagné. Bon, allez, les gars, à la prochaine, à plus, à bientôt. Bonne aventure, Calou. Ciao, ciao.